Je connais Kinder, mais je ne connais pas Kinder Bueno. Bonjour, bienvenue sur Fast Food Cuisine. Aujourd'hui, vous l'avez vu, un Américain va goûter nos snacks français. C'est parti, Bobby, s'il te plaît. Hello. Bonjour, c'est un peu cliché quand même. Hein. It's normal, it's fine. C'est peut-être mieux comme ça, pas scénarisé. Tu parles français? Je parle français un peu. Un peu. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as une chaîne YouTube. Oui. T'es un YouTuber américain connu. Je fais les vidéos des voyages. Aujourd'hui, on va tester des snacks français, des choses que nous, on mangeait quand on était petits. Et c'est d'ailleurs vous, sur Instagram, qui m'avez donné les idées. Est-ce que t'es prêt? Oui. Il y a de tout pour les Français. Je pense que vous avez kiffé. Est-ce que tu connais les têtes brûlées? Est-ce que tu connais le Roquefort? Oui, je connais le Roquefort. Oui. Ça est illégal en États-Unis, oui. Eh bien, nous allons goûter des choses qui sont légales en France. Oui. Restez bien jusqu'à la fin, il y a du très très lourd. En tout cas, on commence. Bah, tu sais quoi, prends au hasard. T'appellerais ça comment? Je sais pas. Biscuit goût français. Le nom est là. Ah non, mais. Excusez-moi. BN. C'est parfait. Pour ça, il y a deux écoles. Chocolat, oui. Ou fraise. Tu préférais quoi? Chocolat. J'ai beaucoup de trucs avec du chocolat, donc je voulais goûter la version fraise. Vous, je sais pas si vous êtes team fraise ou chocolat, allez-y dans les commentaires. En fait, c'est très mignon. c'est comme des smileys. Ok, on va goûter. J'adore ça, oui. Ça va être très dangereux pour moi parce que je pense que je peux manger tout. Et pour la note? 9. 9? Ok. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je connais le Capri Sun, mais je ne connais pas cet goût. Est-ce que vous en avez aux États-Unis des Capri Sun? Oui. Je pense que ça est très différent parce que ça est beaucoup de fruits. Ok, bah on va tester. No preservatives or sweeteners. Nope. Ok, il l'a dit. Ça m'évitera de me faire corriger dans les commentaires. Hop, c'est parti. C'est magnifique. Et est-ce que c'est meilleur le Capri Sun français ou américain? Ok, à États-Unis, il y a beaucoup de sucre dans une Capri Sun. Ok, pour toi là, oui. C'est pas beaucoup sucré. Non. Le Capri Sun français, il y a quand même 8 grammes de sucre. Oh, donc oui, c'est quand même beaucoup sucré, mais il a tellement l'habitude aux États-Unis que ce soit beaucoup, beaucoup plus sucré. Oui. Que lui, il a l'impression de boire une boisson style sportive. Normal. Comme oui. Powerade ou. Voilà. On pourrait faire une vidéo où on teste un McDo américain et un McDo français. Si ça vous dit, explosez la barre des likes et on fera ça. Smash. C'est tout de suite plus stylé. Une note. Je suis américaine donc j'adore sucre. Donc, donc je préférais le Capri Sun américain. 5. 5. Oui, wow. Les gens dans les commentaires, si tu critiques Capri Sun, you can leave. Non, je viens d'avoir une idée. Une idée qui va pas te plaire. D'accord. Vous allez écrire sur ces vidéos Capri Sun partout dans les commentaires. Sa chaîne va devenir la chaîne YouTube officielle de Capri Sun. Je veux que Capri Sun France t'envoie des Capri Sun tellement qu'il y a de Capri Sun sur sa chaîne. Et ils sont très forts pour ça. Tu ne les connais pas. Chose illégale à t'assumer. Le Roquefort. Oui. Est-ce que t'aimes le fromage français? Ah oui, j'adore le fromage français. Là, on va le manger à la française. Un petit morceau de pain. En anglais, we say go big or go home. Et maintenant, I go big or go home, so. You go really big. Oui, go big. Oh boy. Okay. Tu m'impressionnes. Waouh, mon corps, c'est rapide maintenant. C'est... Ah bah maintenant, on fait le malin avec le Roquefort, il faut assumer. Mec, il a tout mangé d'un coup. Bon, ok, c'est bon, j'adore. Yes. En fait, j'adore, c'est comme 10 différents goûts. Un peu sucre, un peu salé, un peu... C'est une explosion de saveur. Et une note? Pour moi, c'est 9, c'est une... oui. Ah ouais. Vraiment, j'adore. Oh. Mais je ne connais pas ça.
Qu'est-ce que c'est ça? Tout le mascotte, c'est très mignon en fait. Et ça, c'est un truc que tu manges encore quand t'es encore plus petit. Genre, c'est vraiment pour... Pour les enfants. Les très petits. Ah, oh, d'accord. Mais en vrai, tu peux manger à tout âge. Et regarde la forme. Donc, tu manges le tête ou tu manges le corps? Ah, c'est magnifique. C'est pas comme le roquefort, hein. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Les enfants mangent le roquefort aussi? Certains, ouais. Oui? Ouais. Waouh! En États-Unis, les enfants mangent les choses simples. Ok. Comme ça. Mais pour tout. Ah, je veux McDo tous les jours. Bon. C'est parti? Oui. Bon. Que c'était trop bon ce truc, hein. Oh, c'est magnifique. Oh. Waouh, c'est vraiment. J'adore. 10. 10. Oreo ou Lulu l'ourson? Lulu l'ourson. Ah, j'ai peur de ça. Ça est piquant. Non. Non? Ah non! Tu es chenille, si tu vois quelque chose comme ça, c'est. C'est mauvais signe. Oui, oui, voilà. Ça s'appelle comment? Tagada. Parfait. C'est le bonbon le plus vendu en France. Oui, peut-être pas piquant. Pas piquant. Quand je mange ça, je suis très relaxé. Passe en mode relax. Je suis très impressionné, oui, avec le bonbon français. Ça, 9. 9 ? 9, oui. Il reste 4. Produit. Plus de hasard, je vais les mettre là. On a ça, Kinder Bueno. On a Kinder Surprise. Ça est illégal à États-Unis aussi. C'est vrai? Mais pourquoi vous avez plein de trucs bons qui sont... Je sais pas. Peut-être que c'est parce que la surprise, elle est dedans et ça peut peut-être être dangereux pour les enfants. C'est la seule chose que je vois. Des bonbons, c'est tête brûlée. C'est très piquant. Non. Non? Ah bon, acide. Non. Et on a ça. Viande? Non. C'est pas de la viande, tu verras. Comment je mange ça, en fait? Tu es juste là. Comme ça? Il y a différentes techniques. Il y en a qui croquent. Oui. Ou sinon, tu peux essayer de séparer les deux parties. Je me sens comme un docteur. C'est une surprise. Ok, je mange et après, j'ai une surprise. Là, je vais goûter, ça fait longtemps que j'avais pas mangé aussi, là. C'est bon. Ça aussi, c'est une technique. Oh non, ouais. Oh, j'ai pensé que ça cassait. T'as le plan. Ah mais je... Tu as pas besoin de non, moi. Non, je ne peux pas. J'ai l'impression que tu t'es trompé. Non. De toute façon, c'est pour les 4. Non, je peux... Bon bah, on se retrouve dans une petite demi-heure. Ok, bon, je prends le plan. Ouais, après 30 minutes. La note. Juste le Kinder, c'est normal, je pense. C'est 7. Je ne connais pas ça. Crème des marrons. On va ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu penses que c'est sucré ou salé? Salé. Normalement, c'est pas vraiment pour manger juste comme ça. Mais là, pour bien goûter, tu prends juste un petit peu comme ça. Ah, d'accord. Allez. Okay. Oh, c'est très différent. Waouh, c'est beaucoup de sucre. Qu'est-ce que c'est ça? Chestnut. Ouais. Waouh, c'est une crème. Et donc, du coup, une note. Peut-être si je mange dans un pâtisserie, c'est 10, mais ça est 9. 9. Oui, 9. Okay. Oui, mais waouh. Ça. Est-ce que tu connais? Je connais Kinder, mais je ne connais pas Kinder Bueno. Eh ben, ça, tu vas découvrir. C'est comme le Capri Sun en France. Ah ouais? C'est le Saint Graal. Pense, tu vas voir. Wow. Ça est le meilleur. C'est addictif, c'est... Croustillant, fondant. Je sais que le système de notes c'est 10, mais c'est meilleur. Ok. C'est meilleur. On va finir avec ça. Tu penses que c'est quoi? Dangereux. Dangereux. Ça est pas acide. Pas acide. Pas acide. Il y a peut-être un petit. C'est sucre. Beaucoup de sucre. Ouais, très ouais. Sucré. Ça s'appelle de la hagla. Ok. C'est attends.
Non. Après une minute, c'est bon. Ah oui. C'est bon, après, c'est très intéressant, ça. Une note? 6. 6 oui. Si ça te dit, on ira tester de la nourriture française, mais dans des restaurants. Oui, parce que là, on n'a pas pu, avec le Covid, aller voir la chaîne de Bobby. Pour ça, vous tapez sur YouTube. Living Bobby. Allez checker et n'oubliez pas Caprisson dans les commentaires, ça lui fera extrêmement plaisir. Ça va, c'est bon. Et sur ce, ciao.